La parole de Dieu, la merveille qu'il nous a laissée pour nous rappeler son amour, pour nous raconter la belle histoire que toi et moi n'avons pas connue. La belle histoire de la mort du Seigneur Jésus. L'histoire du salut des veaux, des animaux qui étaient autrefois sacrifiés pour que nous soyons pardonnés. Jusqu'à ce qu'il arrive ce jour béni où le Seigneur Jésus lui-même s'est présenté comme l'agneau pascal. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour ce beau jour que l'humanité a salué? Parce qu'elle a été consignée dans la parole de Dieu. Si nous savons que nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés, si nous les confessons, c'est parce que cela est consigné dans la parole de Dieu, la Bible. Précieuse que l'on. Alléluia. Alléluia. Valeur que
les pierres précieuses. Alléluia. Transforme-moi, que la parole de Dieu reçue dans mon cœur est plus précieuse que l'or. Ô Seigneur, je viens à toi. Oui, mon Dieu, transforme-moi. Que la parole de Dieu reçue dans mon cœur soit agréable à Dieu. Oh, agréable. Agréable à Dieu. Agréable. Agréable à Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme rend agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Seigneur, je viens à toi. Oui, mon Dieu, transforme-moi. Que la parole de Dieu reçue dans mon cœur me rend agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme rend agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu, la parole dans le cœur de l'homme.